Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Verbum Domini. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres.
Ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Verbum Domini. Si j'accepte de faire passer
placer le Seigneur en premier, de lui donner la première place, ça va m'en coûter. Je vais devoir me détacher de certaines choses, je vais devoir faire des choix pour le Seigneur qui ne sont pas faciles, mais que le Seigneur pourvoie, qu'au bout du compte, de la même manière qu'il a pourvu pour la veuve de Sarepta, de la même manière que le Christ a regardé avec bienveillance cette veuve du temps, eh bien, le Seigneur sera là pour nous. Le deuxième point que je voulais vous dire ce matin, c'était que sur cette priorité à donner au Seigneur, il s'agit de ne pas tomber dans l'illusion pharisienne. Parce que, vous voyez, ces pharisiens, ces scribes dont parle Jésus dans l'Évangile, ils sont certains de faire beaucoup de choses pour Dieu. Et de fait, ils parlent beaucoup de Dieu. Ils sont tout le temps fourrés à la synagogue. La loi, c'est toute leur vie. Mais, voyez, Jésus dit, attention, ce n'est pas de cette manière-là que nous dit en premier. Parce que ces scribes, en réalité, les sièges d'honneur sur la synagogue, ils font pour l'apparence de leur prière, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses pour Dieu. Mais à travers tout ce qu'ils font, ils se cherchent eux-mêmes. Et donc, extérieurement, oui, on peut dire Dieu a de la place dans leur vie, mais ça n'est pas une place intérieure, c'est vrai. Vraiment une place qui vient, qui est là dans leur cœur. Vous vous rappelez cette discussion où Jésus prend l'exemple de ce que disent les pharisiens, si tu fais une offrande au temple de l'argent et tu la déclares corban, bien cet argent, il est pour le temple, il ne peut plus servir pour aider ses parents. On pourrait dire, voilà, quelle merveilleuse manière de mettre Dieu en premier, l'argent va d'abord pour le temple. Et Jésus leur dit, non, Dieu demande la charité pour vos parents, ça fait partie d'ailleurs des 10 commandements. Et quand tu déclares l'argent corban, que tu le donnes devant tout le monde, ce que tu recherches, c'est ton orgueil d'être un bon donateur, et tu le fais passer devant la charité que tu dois au tien pour le Seigneur. Et vous voyez, de la même manière, pour nous, on pourrait avoir des gens qui, par exemple, font des tas de choses dans leur paroisse, qui se lancent dans une espèce de grand activisme, et qui, pourtant, ça reste assez extérieur, c'est-à-dire que c'est pas là où ils vont développer une grande charité pour Dieu et leur prochain. Alors, nous-mêmes, quand je dis qu'il faut donner de la place au Seigneur, c'est d'abord une place qui va venir authentiquement de notre cœur, de l'intérieur, de l'amour véritable qu'on a pour Dieu et pour lui dans nos vœux. Troisièmement, il arrive que nous fassions tout cela, c'est-à-dire que nous agissions avec générosité pour le Seigneur, que nous fassions vraiment de notre cœur, pas pour nous montrer. En faisant vraiment tout ce que nous pouvons pour développer notre vie chrétienne, pour grandir en sainteté, pour marcher avec le Christ, et puis que les résultats soient maigres, parce que eh bien, nous sommes faibles. Et la tentation, si on voit que finalement, vous voyez, les choses, pour l'instant, on ne voit pas, on voit des tout petits, on fait un tout petit peu de bien, mais ça ne rend pas tout de suite comme on voudrait. Il peut arriver qu'on soit tenté alors de se décourager, de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ? Rien du tout. Autour de moi, j'ai des tas de gens qui sont mieux. Je vois toutes ces figures de sainteté et je m'en sens tellement loin. » Et ça peut être, vous voyez, une source de découragement. Et c'est typiquement un raisonnement que la veuve du temple aurait pu être tentée de tenir. C'est-à-dire, à quoi ça sert les deux pieds sept ? À quoi ça sert quand il y a des tas de gens à côté qui ont beaucoup plus d'argent, qui donnent plus ? C'est rien du tout. Et vous voyez, c'était quelque chose qui mine le point qu'elle veut faire. Et bien, pourtant, vous voyez, ce petit, parce que c'est vraiment quelque chose qui l'a coûté, c'est vrai qu'objectivement, ça ne va pas changer grand-chose pour le temps. Objectivement, ce n'est pas beaucoup ce qu'elle veut. Mais parce que ça vient vraiment son nécessaire, parce que ça vient de son cœur, même si ce n'est pas beaucoup, c'est cela que Jésus remarque. Et c'est ça qui renaît, c'est très beau pour Jésus. Regardez cette peur, voilà, le regard de Christ qui se pose sur elle. Qu'il aime avec tout son cœur. Prenez, par exemple, imaginez le cas d'une femme qui est dépressive, elle a du mal à sourire, la vie lui pèse, et puis pendant une soirée, elle fait ce qu'elle peut pour à table avec sa famille, être souriante, être enjouée, demander à ses enfants,
Et si elle, ça lui a tenté, parce que c'est difficile pour elle, bien ça rate la valeur aux yeux de Christ. Lui, il le voit, et c'est plus grand quelque part que tous ceux qui arrivent à être, à avoir cette monument en famille sans que ça leur pousse. Et de la même manière, voyez, je crois un péché qui est aujourd'hui extrêmement répandu, qui est celui d'impureté. On a un homme qui lutte avec problème de pornographie, tout ce que vous voulez. Si à un moment il arrive pendant 48 heures à résister à tout ça, à être pur, c'est pas grand chose au sens où il y a beaucoup de personnes qui ont une vie pacifiée à cause de ça. Vous voyez, la tentation pour lui, ça se fait, c'est pas grand chose, c'est deux jours, je suis bien. Et au contraire, c'est là où le Christ le regarde. C'est là où le Christ le voit. Et où il se dit, mais cet homme qui a fait quelque chose pour le Christ, il vit vraiment de l'avoir à sa petite mesure, parce que pour l'instant, c'est ça qu'il peut faire. Ça a du prix aux yeux du Seigneur. Et un prix que non pas, en un sens, la tranquillité. Les tranquillités de ceux qui n'ont jamais connu ces tentations. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Voyez, voilà donc trois choses que je vous invite à revenir ce matin pendant ce bel évangile, cette première lecture magnifique du livre des Rois. Premièrement, un appel à être généreux dans notre vie. Si on veut vraiment se rapprocher du Seigneur, il faut qu'on soit prêt à donner de notre personne, tout simplement. À lui donner, à le faire passer d'abord dans notre vie. Le deuxième point, c'est que le faire passer d'abord, c'est quelque chose qui se vit d'abord dans notre cœur. Ce n'est pas uniquement une chose qu'on va voir de façon extérieure comme les pharisiens, mais c'est avec la charité qu'on aura pour le Seigneur et pour les autres, c'est cela le critère de cette priorité donnée au Seigneur. Et puis la troisième chose, c'est de ne pas tomber dans la tentation du découragement et d'être conscient que là, on fait vraiment ce qu'on peut, même si c'est peu, le Seigneur le voit et le Seigneur le bénit. Dans un instant, nous allons proclamer notre foi, et juste après ça, viendra l'offertoire. Et l'offertoire, ben, c'est le lieu où on offre au Seigneur. Alors on lui offre le pain et le vin qui sont consacrés. C'est le moment de la caisse qui reproduit exactement ce geste de l'offrande au temple que nous avons dans l'évangile. C'est le moment où on donne de l'argent, mais c'est aussi le moment où on offre au Seigneur sa vie. On peut dire au Seigneur, eh bien, ce que j'ai vécu cette semaine, ce que j'ai fait pour toi, eh bien, je viens t'apporter au moment de l'ouverture. Pourquoi? Pour que le Seigneur le prenne et qu'il le fasse monter vers Dieu dans la prière eucharistique. Eh bien, c'est le moment pour nous, dans cette de messe, l'ouverture, de déposer ce que nous avons. Et même si ce n'est pas énorme, même si c'est une petite mesure de farine, même si c'est deux petites piècettes de pouvoir le donner devant le Seigneur, en ayant confiance qu'il l'accueille, qu'il le regarde, et en lui demandant de le nourrir quotidiennement, comme il l'a fait pour la veuve de Sarepta. Il ne lui a pas donné l'abondance, mais il lui a donné de quoi survivre, de quoi avancer sur sa route. Et puis nous pouvons aussi prier le Seigneur de poser son regard sur nous, son regard plein d'amour, comme il l'a fait avec cette veuve du temps. Amen.
et acquisitionis populus discere.
nuntiarius, ubique virtutes, qui nos de tenebris ad tuum admirabile lumen vocasti. Et ideum, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, in nunc glorie tue canibus, sine fine dicentes. Sanctus,
corpus et uno spiritus veniamur in Christo. Ipse nos dimittet feciat unus et creatur, ut cum electi sui serenitatem consequi pariamus, in primis cum beatissima Virgine Regeneratrice Maria, cum beato Iosephe ius consul, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo, acuti confirimus adiuvari. Ec ostia nostrae reconciliationis propitia, quesumus Domini, adoxius mundi pacem atque salute. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fidel caritate firmare dineris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et episcopo nostro Laurentiu, cum episcopari ordine et universum verum, et omni populo adversi regis tuoe. Voti suius familiae, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater, misera tuus coniunge. Fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum peninus admite. Ubi foresteramus, ut simul gloria tua per inter satiet, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona conta nascis. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus et dicere. Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Vivis et regnis in saecula saeculorum.
et peccata mundi, beati qui ad scenam invocati sunt.
Spiritus Sanctus.